J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo routine un petit peu avec routine du jour, hein. Je vais me maquiller légèrement parce que j'ai encore une conjonctivite. Et je viens de me laver la tête. J'ai reçu de la marque Nucléor trois produits. J'ai reçu un complément alimentaire pour la chute des cheveux qui se présente comme ça. Je l'ai commandé sur le site Evency. Je voulais faire une petite cure pour les cheveux. Ils m'ont proposé de tester ces produits. Je les ai utilisés déjà deux fois et ils sont bien, ils moussent bien, ils sont hyper agréables. C'est des shampoings anti-chute. Alors, je vais vous dire un petit peu. C'est des shampoings à base, formulés à base de roquette qui stimulent la bulbe capillaire. Vous avez de la prêle des champs qui améliore l'état des cheveux et favorise la croissance de la fortification des cheveux. Vous avez du cuivre, de la vitamine B8, du sélénium et du zinc. Ça permet de favoriser la croissance, d'améliorer l'état du cheveu, la croissance du cheveu grâce toujours à la prêle des champs et favorise la croissance des cheveux. Okay, bah écoutez, pour l'instant, je trouve qu'il est agréable à utiliser. J'ai reçu le shampoing et j'ai reçu l'après-shampoing aussi, qui démêle assez bien les cheveux. Les cheveux sont doux, c'est agréable. Et j'ai reçu aussi le stress, fatigue, post-grossesse, mais bon, anti-chute. C'est bon, je suis pas enceinte, j'ai été fatiguée. Donc, ça favorise la pousse, améliore l'état des cheveux, favorise la croissance des cheveux et favorise la fortification aussi des cheveux. J'ai reçu aussi un code promo NEW10. Voilà, si vous avez envie de profiter du code promo, n'hésitez pas. Il y a plein de produits dedans. Hein. C'est une fabrication française, une routine pour les cheveux colorés. Cheveux gras, enfin il y a vraiment pas mal de produits. Il y a même des produits solaires, mais tout est pour les cheveux. Hein. Voilà. Ils ont un site Instagram, ils ont un compte Facebook. Voilà, je vous mets tout ça comme ça. Eh ben, écoutez, pour l'instant, nickel, hein, franchement, aucun souci. Je me fais ma petite cure là. Et vous avez une cure de un mois, je pense. Ouais, il y a du zinc, du silicium, de la vitamine B6, vitamine B8. Donc ça peut. Oui, 30 gélules. Donc il y en a pour un mois. Très très bien, très contente. Merci encore à Nucléor de m'avoir permis de tester ces produits. Je ne connaissais pas du tout en plus cette marque, donc c'est très bien. Je vais me sécher les cheveux maintenant et je vous reviens juste après. À tout de suite. Je me sèche encore les cheveux. Je voulais encore vous en parler. Mais ce truc. Je l'adore, je l'adore. Il a coûté super cher, vraiment. Franchement, le jour où il casse, c'est sûr que je ne reviendrai jamais sur un sèche-cheveux normal parce que ça n'a strictement rien à voir. Il est exceptionnel, vraiment. C'est bientôt Noël. Si vous avez envie de faire un énorme cadeau, un très beau cadeau à votre femme, et si elle se chasse sèche les cheveux, si son sèche-cheveux est en panne. Vous pouvez lui proposer un beau cadeau comme ça parce que ça, franchement, c'est un très très beau cadeau. J'en suis très 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 contente. Et la petite brosse, je vous fais un petit retour aussi sur la petite brosse que j'ai achetée chez Action qui coûtait 98 centimes. C'est une tuerie, je l'adore. Franchement, je me fais mes brushings avec. Moi qui ai les cheveux hyper épais, elle est super, elle est vraiment super. C'est le top. Très contente de ma petite brosse en bois. Donc j'utilise ça et ça et je me fais mon petit brushing tranquille. Allez, je vous laisse et je continue. Je vais me sécher les cheveux. À tout à l'heure. Bisous. Voilà, vous voyez, mes cheveux, ils sont tout doux. Ils sont tout, 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 tout. Et au niveau, j'avais peur que ce shampoing me fasse régresser les cheveux trop vite. Et en fait, non. Je les ai lavés la dernière fois. C'était samedi, je crois. Samedi, ouais. Et aujourd'hui, nous sommes mercredi, donc tout va bien. Franchement, nickel. Alors, maintenant, je vais boire mon petit café. Je vais passer aux soins pour le visage. Je vais vous montrer. Alors, j'ai reçu de la marque, enfin,
J'ai reçu, je vous en ai déjà parlé, sur le site Mine, j'ai reçu des soins pour le visage de la marque Mizon. Voilà, je ne connaissais pas du tout cette marque, c'est une marque coréenne. Et je me fais mes soins avec. Je vais déjà me mettre un petit peu de brume sur le visage. Là, c'est la brume de Roche Rosebrook. Voilà. Et ce matin, je me suis lavé le visage avec la poudre de LM, que j'adore toujours. Franchement, que j'utilise tout le temps. Enfin, pas tous les jours, mais je l'utilise. J'aime beaucoup cette poudre nettoyante. Je vais utiliser. Alors, je vais utiliser. J'adore faire ça le matin et le soir. Avec mon Foreo, je vais appliquer le premier produit. Bon, déjà, je vais appliquer ma crème sur le contour des yeux. Voyez, en fait c'est un gel pour le contour des yeux et j'aime beaucoup cet effet puisque ça va hydrater. Ça n'a pas un effet du tout gras en fait par rapport à moi. J'aimais bien utiliser des huiles et je connaissais pas ces effets gel, et en fait c'est super parce que il n'y a pas le gras en fait des huiles. Je trouve ça formidable. Donc ça va pénétrer, ça va bien hydrater la peau, mais sans graisser la peau. Ça, j'adore. Donc j'aime beaucoup ce produit. En plus, cette marque Mizon, ce n'est pas une marque qui est excessive au contour des yeux. Et je vais appliquer cette petite. En fait, c'est encore une fois. Vous voyez, c'est pas de l'eau, c'est un gel un peu liquide. Et j'adore cette texture. Je trouve ça génial. Donc là, je vais du coup en profiter pour faire je vais être obligée de me déconnecter, d'éteindre mon téléphone parce qu'il est connecté en fait à mon téléphone. Donc normalement, ça marche sans se connecter, mais en fait. J'ai pas compris que comment ça marchait. Donc, je le connecte tout le temps à mon téléphone. Et puis après, quand j'ai fini, je vous reviens tout de suite. Et ça, c'est super. Enfin, j'adore. Est-ce que j'ai vu un résultat sur le visage? Bah, pour l'instant, j'ai rien vu du tout, hein. Mais je le fais parce que je trouve ça vraiment relaxant, en fait. Mais pour l'instant, je continue et j'aime ça. Donc, je le fais. Eh bien, écoutez, je vous reviens tout à l'heure après avoir fait. Je prends mon temps, je l'utilise 15 minutes à peu près. Si vous avez envie de vous faire plaisir, faites-le. Enfin moi pour l'instant, vraiment, j'ai vu aucun résultat. Enfin, voilà. Mais à part le fait que c'est très plaisant en fait. Allez, à tout de suite. Voilà, je me suis fait mon petit massage du visage. Vous voyez, ma peau est bien hydratée, c'est très agréable. Ce que je voulais vous dire, ce sont des produits coréens, mais vous avez sur la notice ici, la notice en français. Donc là, c'est une lotion tonique au collagène qui améliore la souplesse de la peau et l'hydrate, qui est enrichi en collagène. Il maintient la peau lisse et radieuse. Donc c'est à utiliser matin et soir. Et après avoir nettoyé la peau, bien sûr. Les packagings sont super, vous voyez. Ils sont magnifiques. Très, très beaux. En verre. C'est des flacons en verre. Et encore une fois, les produits ne sont pas excessifs. C'est vraiment. C'est des gros paquets. C'est des flacons qui durent un an. Et puis les flacons sont énormes, hein, vous voyez. Ensuite, j'ai l'autre produit à utiliser après. C'est le Collagen Power Lifting Émulsion. Ça se présente comme ça, voyez, comme ça, a toujours un flacon en verre. Collagen Power Émulsion de Lifty contient du collagène hautement concentré qui hydrate la peau, à utiliser matin et soir. Après la lotion tonique, flacon toujours en verre, et c'est une émulsion qui est un petit peu laiteuse comme ça. Ça hydrate très 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 bien la peau, vous le voyez, je pense. Le site Mine. C'est un site que ma fille, elle commande tout le temps sur ce site.
Elle s'achète tout le temps ses masques. Elle adore les produits coréens. Et donc moi, je ne le connaissais pas. Et en fait, pour vous dire la vérité, donc ma fille commande tout le temps sur ce site et elle abonnée, elle était abonnée, elle est toujours abonnée à son compte Instagram. Et puis elle m'a dit, maman, il y a le site qui a mis une annonce, qui cherche des influenceuses pour présenter les produits. Et je lui dis, ah bon, et franchement, c'est un site qui est super, je commente. Et d'ailleurs, moi, plusieurs fois, j'ai utilisé ces masques et c'est vrai que c'est des masques qui sont très, très bien. Et donc, elle m'a envoyé un message au site et j'ai reçu un message comme quoi ils avaient accepté ma collaboration. Donc, ma fille m'a dit, regarde, t'as été sélectionnée. Donc, j'étais contente parce que j'étais pas au courant. Et je suis très, très, très contente de les avoir découverts parce qu'ils sont vraiment très, très bien. Et moi, depuis quelques temps, c'est vrai que j'utilise... Suite à la vid aux vidéos de Valérie, de Cyril Laurent, de Ursus, j'utilise pas mal de produits coréens comme ça, de la K-Beauty. Et j'ai découvert, c'est vrai que j'adore ces textures gel. Ça hydrate bien. J'aime beaucoup ces textures. Je vais terminer par le sérum qui se présente comme ça. Il est. Toujours un petit flacon en verre. Et donc, c'est une belle découverte. Donc, en fait, la marque m'a demandé si je voulais tester cette marque Mison, que je ne connaissais pas. Donc, je leur ai dit, bah, écoutez, il n'y a pas de souci, je ne connais pas du tout cette marque. Pas de problème. Donc, c'est encore un produit, un liquide, un gel. Et moi, j'adore ça. Que du bonheur. Vous voyez, c'est super. Là, vous avez une peau super, super, super hydratée. C'est pas gras, hein. On a l'impression parce qu'il y a les projecteurs là, mais c'est pas du tout gras, hein. C'est hydraté. Hein. J'aime beaucoup. Très, très beau produit. C'est une très, très belle surprise. Et pour, encore une fois, pour des prix vraiment raisonnables. Très contente. Donc merci encore parce que franchement, je suis très contente de ces produits. Ils m'ont aussi offert, alors ça j'adore. C'est de la marque Changpri. Ça se présente comme ça. C'est une bébé crème. Elle est top. Je l'utilise tout le temps. Je l'utilise tout le temps. Donc, vous voyez, quand vous la posez, c'est un peu gris. Et puis après, bon, ça va. Je vais aller prendre mon Beauty Blender. Bougez pas. Voilà. J'en ai peut-être mis un petit peu trop. Oh, j'ai poussé un petit peu. Voilà, comme ça. C'est vraiment agréable de filmer avec son téléphone. Avant que je filmais tout le temps avec ma caméra et ça prenait de la place et tout. Mais là, avec le téléphone, c'est génial. Vous voyez. Alors, ça unifie le teint. Ça couvre. Bah, c'est une couvrance. C'est une bonne couvrance. Pour une bébé crème, franchement, la couvrance est parfaite. Pas trop, ni pas assez. C'est parfait. Alors moi, je nettoie toujours, vous voyez, avec un petit chiffon, le surplus. Et ça brille dans la journée, franchement. Bon, je vais poudrer un petit peu tout à l'heure, là, mais ça brille pas trop. Hein, ça laisse pas un effet gras, en fait, sur le visage. Là, je vais faire mes sourcils, toujours avec... je l'ai depuis des années. C'est un produit, vous l'achetez, vous l'avez à vie. Donc, je vais faire mes petits sourcils. Là, je suis au top avec mes éclairages. Merci encore. J'en profite pour remercier encore Nuwear. Parce que franchement, j'y voyais rien du tout avant. J'étais obligée de déplacer mes affaires pour me mettre devant. Bah, devant la lumière hein, pour me maquiller parce que je voyais pas. Et ben là, c'est fini, c'est le top. Voilà, et donc là, franchement, je me vois super bien. J'ai ma petite toutoune qui est par terre.
Ah oui, il faut que je prenne rendez-vous chez le. Il faut que je les appelle tout de suite. Parce que j'ai appelé l'atelier du sourcil la semaine dernière. Et parce que je voulais me refaire, vous voyez, j'ai des petits poils blancs et puis je veux refaire mon tatouage et faire une retouche en fait. Et donc je l'ai appelé et c'était le jour où ma fille a eu son accident. Donc je sais qu'ils ont essayé de me rappeler, mais je les ai pas rappelés. Et je voudrais bien me refaire mon tatouage. Enfin, faire la retouche, repigmenter mes sourcils, parce que j'ai des sourcils qui sont blancs aussi. Et puis, il faut que je prenne aussi un rendez-vous pour mon mari. Parce que mon mari aussi le fait, il a des gros sourcils. Et avant, il avait un monosourcil quand je l'ai rencontré. Et il m'a fait rire. Bon, il était très beau, mais ce monosourcil me dérangeait. Donc, je lui ai dit, hop. Je vais t'épiler tout ça parce que ça va pas là. Hein? Donc maintenant, je l'envoie tout le temps. En plus, il a des sourcils très très longs. Donc, je l'envoie tout le temps à l'atelier du sourcil pour se refaire les sourcils. Et en plus, c'est vrai que les hommes, ils y pensent pas trop, mais ça leur dégage aussi le regard. Et mon mari a de jolis yeux, il a des yeux un peu verts. Et c'est vrai que quand il revient, il a des jolis yeux en fait. On les voit mieux. Donc, je vais faire ça tout de suite. Je vais appeler l'atelier du sourcil. Et je vous reviens tout de suite. Ça y est, j'ai appelé l'atelier du sourcil. J'ai pris un rendez-vous pour moi et pour mon mari. Donc, comme ça, c'est super. J'ai les ongles toutes pourries. Hein. Il faut que je les refasse. Là, je vais les faire tout à l'heure. Voilà, écoutez, j'ai envie de me maquiller. Moi, hier, je ne me suis pas maquillée parce que j'ai encore une conjonctivite. Mais je vais un tout petit peu. Je vais me maquiller un tout petit peu. On verra. J'ai un traitement là. Ce matin, j'ai l'œil. Enfin, mon œil va mieux parce que hier, il était tout collé encore une fois. C'est chiant. Bon. Du coup, je vais faire un petit maquillage. J'adore cette couleur en fait. Bon, allez. Je vais utiliser la palette. Ah, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Inter Beauté. Je ne me rappelle plus. C'est pas grave. Je vous mettrai de toute façon le lien de tous les produits en barre d'infos. Voilà, donc je vais juste un petit peu. Depuis quelques temps, j'ai tout le temps des conjonctivites. Je vais faire pareil sur l'autre côté. Mon mari vient de m'appeler pour me demander si j'avais pris mes compléments alimentaires. Et ben, je lui ai dit, il fait rire, il me materne. On a acheté des compléments alimentaires dans un magasin bio là, qui est censé. Il y a plein de bonnes choses dedans. Il y a du curcuma, il y a du collagène, il y a plein de bonnes choses. Bon. Mon mari me dit oui, moi ça me fait vraiment du bien. Je dis ben écoute, tant mieux, c'est bien. Moi pour l'instant, en fait, j'en sais rien. Moi, quand je prends un complément alimentaire, enfin, je sens pas que ça me fait, je sens rien du tout en fait. Je m'aperçois plus tard, après plusieurs mois, que ma peau va mieux, peut-être, ou les cheveux ont bien poussé, vous voyez. Je prends du collagène que j'achète sur iHerb depuis des années, je l'achète sur iHerb, et j'en prends depuis très longtemps. Donc, écoutez, je vois, ma peau va bien, vous dire qu'elle va mieux, qu'elle va bien par rapport à mon âge, par rapport. J'ai pas de problème de peau, mes cheveux vont très très bien, je me fais des colorations tout le temps, mais ça va, ils sont pas abîmés. Voilà, donc après, de là de dire, ah bah tiens, je sens que j'ai plus mal aux os, ben non, non. Surtout que ça fait 15 jours qu'on a commencé. Mon mari, il est. Je pense que c'est des choses, il faut vraiment les prendre longtemps pour s'en rendre compte, quoi. Je vais mettre en coin externe. Maintenant, je lave mes pinceaux tous les soirs, enfin tous les jours.
Comme ça, j'ai que 5 pinceaux à laver. Avant, j'en avais une cinquantaine. Et maintenant, j'en ai que 5 à chaque fois. Donc, ça va, c'est très rapide. Ça me prend 3 minutes. Alors qu'avant, franchement, c'était chiant. Et maintenant, c'est super rapide. Donc, je vais faire toujours ça. Je vais tous les laver tout le temps, tous les jours. Ou le soir, ou là où. Quand je finis de maquiller, hop, je lave mes pinceaux. Comme ça, on n'en parle plus. Voilà. Bon, écoutez, vous voyez, quelque chose. C'est juste histoire quand même de me maquiller un petit peu parce que ça me fait bizarre de ne pas me maquiller. J'ai l'impression d'être malade, en fait. C'est des palettes que j'adore. Il y en a une nouvelle qui est sortie, qui a l'air vachement bien aussi. Mais bon, j'ai pas... Là, tout de suite, je suis plus, en fait... j'ai d'autres choses à acheter. Ma pièce, là... À part ce meuble en bois, je vais le poser, on va voir. C'est une étagère que j'ai achetée, je vous l'ai présentée dans mon vlog, que je vais mettre juste là, elle est noire. Voilà. Ensuite, attendez, il faut un petit crayon marron. Un crayon marron. Comme j'ai tout déplacé, du coup, je ne sais plus où sont les choses. Et puis, bon, ma fille aussi, elle... Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne vois rien du tout. Sans mes lunettes, je ne vois rien du tout. Enfin, je vois mieux qu'avant quand même. Ma mère me dit, mais normalement, tu devrais vraiment bien voir. Bah oui, mais non. De près, je vois rien. C'est un marron. C'est de la marque Estée Lauder. Oui, non, mais je vois rien du tout, moi, sans lunettes. Et oui, puis ma fille, c'est pareil. Elle vient d'emménager, donc elle voit ce que c'est que la vie. En plus, elle vient d'avoir son accident, donc... elle est en panique parce qu'il faut payer la franchise pour sa voiture, pour les réparations. Et donc, hier, elle était un peu triste. Elle ne savait pas trop comment elle allait faire pour payer tout ça. Mais c'est bien que les jeunes soient comme ça dans des états qui se rendent compte que ce que c'est que vraiment que la vie. Ça leur permet un petit peu d'avancer, hein. De prendre un peu de maturité, c'est sûr. Je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre celui-là qui est un peu large. Marc Jacobs. Moi, les pinceaux, vous savez, j'en ai pour toute une vie. Pour 15 vies. J'ai eu ma période pinceau où j'en ai acheté beaucoup. Et du coup, là, maintenant, j'en achète plus parce que j'en ai tellement. Puis, je vais voir hein, si j'ai mal aux yeux, je me démaquillerai. Je me démaquillerai et puis tant pis. Hein. Demain, je ne me maquillerai pas et puis, voilà quoi. Je vais prendre un peu de crayon noir. Ça, c'est de Marc Jacobs. Oui, et puis là, c'est dans 2 mois, c'est quand même Noël. Ça passe trop vite. Et je vais un petit peu flouter tout ça. Ça va bientôt faire 1 an que je porte plus de lentilles. C'est cool. C'est vrai, ça fait bientôt. Je me suis fait opérer l'année dernière. Et je suis super contente. Franchement, ça a été... l'année dernière, c'est vraiment... c'est vraiment quelque chose que j'attendais depuis tellement longtemps. De ne plus porter de lentilles. C'est vrai que ça me change la vie. Hein. Et c'est comme, pareil, l'épilation définitive, le gain de temps aussi. Hein. Moi, avant, je me rasais tous les matins. C'était long et tout. Et maintenant, je ne me rase plus du tout. Et puis, j'ai plus de démangeaisons au niveau des jambes. C'est fini. Donc, je suis super contente. Et je pensais que ça me ferait très mal. J'avais peur de le faire parce que j'avais peur que ça fasse mal. Parce que ma dermatologue m'a toujours dit que ça faisait très très mal. Et en fait, j'ai pas du tout eu mal. Si j'avais su, je l'aurais fait avant. Hein. Là, je lui mets en fait du bronzer de la marque Zao.
Oui, c'est vrai que pour l'instant, j'ai plus envie d'acheter de soins, de maquillage. Je vais essayer de terminer tout ce que j'ai et d'acheter vraiment au fur et à mesure quand j'ai besoin et plus me passer des grosses commandes et puis d'avoir 30 000 produits à la maison. Après, je dis ça, mais je dis pas que je vais m'y tenir. Hein. Alors, bah écoutez, déjà comme ça fait du bien. Parce que c'est vrai que démaquiller, quand j'ai les yeux qui sont pas maquillés, mais hier, ça fait bizarre. Et puis, je vais utiliser le mascara de. C'est ma fille qui m'a dit qu'il était super. Attendez. Je sais pas si c'est de L'Oréal ou si c'est de. Je mets. Ouais, Maybelline. C'est de Maybelline. Alors, la brosse, elle est trop top. C'est une brosse en silicone qui est comme ça, là. J'adore cette brosse. Et je trouve que ça allonge bien les cils. J'adore les brosses en silicone comme ça, fines. C'est hyper facile. En plus, il a une super tenue, ça coule pas du tout. Hein. Et oui, parce que alors moi, j'avais le mascara de chez Elia, mais encore une fois. C'est quand même pratique d'aller faire ses courses et puis d'acheter en même temps. Moi, quand je vais à Vichy, j'aime bien. C'est dommage qu'il n'y ait pas tous ces produits ici. Moi, les produits bio qu'il y a en magasin bio, je les aime pas du tout. Hein. Là, regardez, ça fait des jolis cils en plus. Non, franchement, ce petit mascara, il est trop top. J'adore. Et puis en plus, il est pas cher. Et pour terminer, je vais prendre ma petite poudre. J'ai ma petite poudre que j'adore de Hunt Beauté. C'est une poudre que j'avais achetée sur le site d'Emile Essence. Je la trouve super. Alors, pas sur tout le visage parce que la couleur est assez foncée. Et. Voilà, donc en fait ce que je fais c'est comme un peu de contouring. Vous voyez, je la mets là. Je la mets là. Ouais, parce que la couleur, elle, pour moi, elle va pas. Je l'ai acheté sur internet et j'ai pas fait gaffe. Alors du coup, je voyais, c'est juste pour apporter. Vous voyez, hop. En été, je l'ai porté, il n'y a pas de souci. Mais sinon. Sinon, non. Je vais prendre. C'est de chez Sisley. Une poudre. Voilà. Et de chez Sisley, toujours ça, j'adore ce produit. J'en ai pratiquement plus. Mais je l'adore. C'est un blush. Enfin, c'est un. Pour faire du contouring, vous voyez. Mais la couleur est très. Par rapport à d'autres bronzers, la couleur est plus claire. Pour la couleur de ma peau, c'est parfait. C'est pas trop foncé. Donc j'adore ce produit. Et je pense que quand j'aurai. Vous voyez, là, je suis en train de le terminer. C'est rare quand je termine un bronzer. Hein. Nickel. Et je vais terminer avec. Là, c'est carrément le truc que j'aime de tout mon cœur. Celui-là, bon, j'en ai encore une fois pour toute une vie, mais ce produit, il est formidable. Je l'adore, ce produit. Voilà, j'ai pris un pinceau de chez Barre Minérale. Ce blush-là, il est trop, trop, trop. Il apporte énormément de lumière. Je trouve, mais magnifique. C'est le gros coup de cœur. Cette marque, c'est Antonyme. J'adore cette marque. Mais pourquoi ça n'existe pas ici? Moi, j'adore en fait aller marcher, boire un petit verre. Hop, dans un magasin, bah, c'est joli ça, hop, je le prends. Me promener, boire un petit café, tranquille. Et c'est vrai, c'est tellement agréable de sortir. On a tellement de chance de pouvoir sortir et tout. C'est vrai que j'adore me promener.
Moi, d'aller discuter avec ma petite vendeuse, avec ma petite Sephorette, c'est super. Pour moi, c'est un grand plaisir. J'aime bien le contact, en fait, avec les gens. Et acheter sur Internet, c'est vrai que c'est... J'aime bien avoir des conseils, enfin, juste discuter, échanger, c'est super. Mais ce produit, il est trop... Voilà. Et pour terminer, je vais prendre un petit rouge à lèvres. Je vais remettre mes lunettes. Veille pour. Il est très joli. Attendez, faites voir. Il y a celui-là que j'adore. C'est toujours de la marque Lip Whip. C'est Julie. C'est un baume en fait pour les lèvres qui est teinté. Et il est très joli. Après, il n'a pas une grande tenue parce que c'est un baume. Il faut en rajouter. Et il est mentholé en plus. Et il est super joli. Voilà pour ma petite routine du visage. Je vous reviens tout à l'heure. Je vais me faire les ongles. Et je vais... après, je vous montrerai ma petite tenue du jour. Ouais, parce que là, il faut... Il est hors de question que je sorte avec ça. Et oui, mais quand on fait du ménage, le problème, c'est que moi, personnellement, j'y arrive pas. Quand je cuisine, je fais du ménage, je peux pas du tout... mon vernis tient pas du tout 2 jours, hein, ni 3 jours. Hein. Il tient 1 journée, c'est tout. Quand je nettoie mes casseroles, je me fais les ongles tout le temps. Voilà, allez, je vais choisir un vernis et puis je vais me enlever tout ça et je reviens tout à l'heure. Alors, je me suis fait les ongles, voilà, je me suis mis un petit vernis que j'ai depuis un petit moment de chez Dior, qui est très joli. Le numéro 943, le rouge Carson, présent comme ça. Il est très très joli. Et pour les ongles des pieds, j'ai un petit vernis de chez Kiko qui se présente comme ça. Et c'est la couleur 13. C'est un vernis aussi que j'ai depuis un petit moment. Voilà. Et puis voilà, écoutez, j'ai les pieds propres. Nickel. Je vais me porter un petit dessous de chez Chantal... non, c'est pas Chantal... Si. Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Non, c'est Chantal Thomas. C'est Chantal Thomas, qui est magnifique. Il est super joli. Il se présente comme ça. Je vais le porter. Et vous avez la petite culotte qui est très jolie aussi. Que vous ne verrez pas parce qu'elle est transparente, voyez. Donc, je vous la montre juste comme ça. Bon, il ne doit plus exister hein, parce que c'est quand même... je l'ai depuis un petit moment. Et c'est très joli. J'aime beaucoup avec ce petit... Le petit devant est magnifique. Et c'est une culotte taille basse. Et j'adore le soutien-gorge. Je le trouve trop, trop beau. Voilà. Bon, je me change et je reviens tout de suite. À tout de suite. Je vous montre le soutien-gorge. Il est super joli. Il est magnifique. J'aime beaucoup cette marque, Chantal Thomas. Le souci, c'est que souvent, les produits, quand on les regarde, ça, c'est vraiment des produits qu'il faut essayer. Parce que des fois, c'est taillé un peu petit, un peu grand, enfin, surtout petit. Et puis, on le regarde comme ça sur le cintre, c'est très joli. Et puis, en fait, ça ne voit pas, quoi. Ça dépend des morphologies et la petite culotte est trop belle, en fait. C'est très, 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 très beau. Je voulais porter ça avec un petit haut que j'ai depuis un petit moment de chez Zara. Je ne vous l'ai jamais présenté. Il est magnifique aussi. En fait, je l'ai acheté, mon fils m'avait offert avec ma belle-fille un bon d'achat pour mon anniversaire. Et je ne l'ai jamais mis encore. Et donc, c'est une petite veste... C'est un petit chemisier blanc qui est très très beau. Et du coup, c'est la première fois que je le mets. Voilà. Alors, le soutien-gorge, est-ce qu'il va se voir dessous? De toute façon, je portais une veste, donc ça ne se verra pas. Il se présente comme ça. Avec le petit bouton. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé ces petits boutons dorés là. C'est très très beau. Vous voyez? Voilà. Avec des manches qui se un peu évasées et 3/4. Et le bas, ça se présente comme ça au niveau du bas. Vous voyez, c'est un peu ouvert. C'est un peu comme une tunique, vous voyez. Très joli. Et je vais porter des bas
des bas noirs qui se présentent comme ça. C'est de chez Ethan Lingerie. Ils sont hyper solides. Ils sont opaques. Ils sont bien opaques. Et puis en hiver, bah c'est parfait. Franchement, on met ça sous le pantalon. C'est nickel. Bon, là pour aujourd'hui, c'est un petit peu chaud peut-être aujourd'hui pour ça. Attendez, bougez pas. Voilà, j'ai plutôt porté ça de chez Dime. C'est couleur chair parce que mon pantalon est beige. Alors, porter du beige avec un décollant noir dessous, c'est pas très joli. Du coup, je préfère porter du beige. Oui. Ils sont assez solides et ils s'abîment pas facilement. On les trouve en grande surface. En général, on les trouve un peu partout. Donc, ça, c'est bien ça. Parfait. Surtout quand on est un peu blanche. Là aussi, je suis un petit peu, je suis blanche. Hein, voilà. C'est nickel. Et puis, je vais porter mon petit pantalon de chez Zara. C'est un petit tailleur que j'avais acheté, l'année dernière. Et qui est... J'adore ce tailleur. Voilà, très joli. Voilà, donc ça se présente comme ça. C'est un pantalon qui est assez épais. Il est très chaud. Et il a, même, je pense que s'il pleut, il est imperméable. Parce que le tissu est quand même super épais. Il est assez large. Vous voyez, j'adore. Il est beige. Il est magnifique, ce pantalon. Je l'aime beaucoup. Et avec ce petit chemisier, là, c'est très joli. Et vous avez également la petite veste assortie qui est très chaude, elle est doublée au cire. Bon, les tailleurs de chez Zara, voilà, c'est une valeur sûre, vous pouvez y aller. Franchement, j'en ai plusieurs et ils sont superbes. Et vous avez une large ceinture qui est là, que vous pouvez attacher aussi. Bon, là, je vais pas la mettre tout de suite parce que je voyais, elle est assez courte, hein. Et elle se serre comme ça. D'ailleurs, il est magnifique. Je l'aime beaucoup. Je le porte très souvent. Il est chaud. Même si vous portez en plus un manteau, ça passe dessous. Donc, c'est parfait. Alors, je vais porter un petit bijou de chez Orwiar. On ne verra pas, mais j'ai... Attendez. Je vais porter des petites boucles d'oreilles que j'ai reçues de chez Orwiar. Je les ai reçues il y a très longtemps, hein. Franchement, je me rappelle, ça fait un moment. Et je les adore. Je les porte très souvent. Elles sont en plaqué or avec mes bagues habituelles. J'ai envie de garder cette bague aujourd'hui. J'ai envie de changer un petit peu. Donc, je ne vais pas porter de collier parce que ça sert à rien, on ne va pas le voir. Et puis, comme parfum, je vais porter ce parfum de la marque. C'est le parfum Benjoin Bohème qui se présente comme ça. Je l'ai presque terminé. C'est de la marque Diptyque. Diptyque. Je suis allée dans un magasin à Clermont la semaine, il y a 15 jours. Il y a un magasin qui vend la marque. Alors, oui, ils vendent la marque Diptyque. En fait, j'essayais de trouver, quand j'ai vu ce magasin, j'ai dit, waouh, c'est une toute petite boutique et qui est vers la cathédrale là-haut. Ils vendent cette marque-là. Et je me suis dit, peut-être qu'ils vont vendre aussi les parfums Byredo pour racheter mon parfum blanche que j'adore. Et puis en fait, ben non, ils ne l'avaient pas. Ils ne font plus cette marque. Ils l'avaient, ils travaillaient avec cette marque, mais ils ne travaillent plus avec eux. Et je lui ai demandé s'ils avaient Benjoin Bohème, que j'avais acheté à Paris. Et ils m'ont dit que c'est un parfum qui ne se vend que dans le stand Byredo. Donc il n'y a pas d'autre. On ne peut pas l'acheter. On peut l'acheter chez Byredo, mais pas ailleurs. Voilà. Et celui-là, c'est un parfum épicé qui est assez oriental, vous voyez. Il sent très, très bon. Faut pas en mettre beaucoup parce que ça sent très fort en été. On peut pas le mettre parce que, enfin, moi personnellement, je peux pas le mettre parce que ça sent trop fort. Mais là, tout de suite, ça y est, ça revient. Je peux le porter et il sent très bon et je l'ai pratiquement terminé. Vous voyez, c'est super. Voilà pour ma vidéo. Écoutez, favoris, routine, soins, tenue, dessous.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est peut-être un petit peu longue, mais j'avais vraiment envie de vous montrer mes petits coups de cœur. Et j'ai encore oublié ma montre. J'oublie toujours ma montre. Je ne la garde pas la journée, en fait. Je la porte quand je sors, parce que je la trouve très, très lourde. Et elle pèse énormément. Et du coup, je la mets que quand je sors. Allez, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.